demandons de ne pas ouvrir votre parapluie afin de ne pas effrayer les oiseaux. Il est interdit de fumer et d'utiliser votre GSM. Cachez toute nourriture devant les oiseaux et n'essayez surtout pas de les toucher. Hartelijk welkom op de roofvogeldemonstratie van Pairi Daiza. In het algemeen kunnen we over roofvogels zeggen dat ze een buitengewoon zicht hebben en dat ze ook fabelachtige vliegprestaties neerzetten. Dankzij de valkerij hebben we een belangrijke basiskennis over roofvogels verworven. Ze zijn elkaars vijand en hun afmeting bepaalt hun plaats in de hiërarchie. De grootte van de roofvogelpopulatie hangt vooral af van de hoeveelheid aanwezige prooien. Veel plezier met onze show. Bienvenue à la démonstration de rapaces en vol libre. On va regarder les oiseaux. C'est en grande partie grâce à la fauconnerie que nous avons pu développer considérablement nos connaissances sur les rapaces. S'ils excellent en acrobatie aérienne, ils sont tous ennemis. Chez eux, la hiérarchie est déterminée par la taille. L'importance de leur population dépend de la quantité des proies disponibles. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec notre démonstration. Les hiboux, leur extraordinaire capacité de vue et leur ouïe particulièrement développée leur permettent de localiser des proies. En position d'attaque, les hiboux gonflent leur plumage et en position de défense, ils s'allongent pour passer inaperçus. Les hiboux sont des oiseaux nocturnes monogames. Dans leur pelote de déjection, on retrouve les petits os et les restes de leur proie. Ces propriétés associent les hiboux avec la sorcellerie. Uilen, deze monogame nachtdieren hebben een fenomenaal ontwikkeld zicht en gehoor. In hun braakballen vind je de botjes en andere onverteerbare resten van hun prooi terug. Uilen lijken groter als ze een dreighouding aannemen. Bij een paalhouding vallen ze minder op. Die eigenschappen brengen uilen in verband met hekserij. Is een snaveldoder. In België kennen we de torenvalk, de boomvalk, de slechtvalk en het smelken. De slechtvalk is de allersnelste vogel ter wereld. Hij haalt moeiteloos 300 km per uur. Le faucon utilise son bec pour tuer ses proies. En Belgique, on distingue le faucon cresserelle, le faucon obéro,
le faucon pèlerin et le faucon émerillon, le plus petit des faucons. Le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide du monde. Il atteint facilement la vitesse de 300 km à l'heure. Un nom original pour un rapace hors du commun. Ce sont les Indiens d'Amérique du Sud qui lui ont donné ce nom, qui ressemble à son cri. Il se comporte comme un vautour et comme lui, il aime les charognes. Les caracaras vivent en communauté et sont très téméraires. Rien ni personne ne les arrête. De caracara is een eigenaardige roofvogel. Indianen in Zuid-Amerika vonden caracara een goede klanknabootsing van zijn roep. Hij lijkt in zijn gedragingen op een gier, ook omdat hij aas lust. Caracara's leven in groep en ze zijn ongelooflijk frank. Van niets of niemand zijn ze bang. Is de roofvogel bij uitstek en het symbool van macht, schoonheid en onafhankelijkheid. Het verenkleed is bij mannetjes en vrouwtjes gelijk. Pas na enkele jaren krijgen ze hun volwassen verenkleed. L'aigle est l'oiseau de proie qui symbolise la puissance, la beauté et l'indépendance. Le plumage des mâles et des femelles est identique. Ce n'est qu'après quelques années qu'ils obtiennent leur plumage adulte. Thank you.
Daïsa. Is een alleseter met een voorkeur voor aas. Gieren hebben een strenge hiërarchie en hanteren het principe wie eerst komt, eerst maalt. Ze kunnen enorme brokken vlees soldaat maken met hun schrokreflex en dit dankzij hun rekbare krop en maag. De rupelgier kan tot 11.000 meter hoog vliegen. Le vautour est un opportuniste. Mais il a une préférence pour les charognes. Bien que très à cheval sur le principe de la hiérarchie, lorsqu'il passe à table, sa devise pourrait être « premier arrivé, premier servi ». Ils emmagasinent une quantité de nourriture inimaginable en utilisant l'élasticité de leur jabot. Le vautour de Rupel peut surprendre un pilote d'avion à 11 000 mètres. Thank you.
onze roofvogeldemonstratie. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer.